Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Oui, c'est encore moi, Donatien Gérard, et je vous dis bienvenue à ce webinaire de présentation de la technologie à cordes. OK, cette technologie qui n'a pas d'égal dans le monde, cette technologie qui occupera plus de 50% du marché mondial du transport. Alors, tous ceux qui sont déjà dans ce projet, je vous dis bravo. Bravo, et je vous demande de continuer à augmenter vos nombres de parts dans le projet. Eh bien, aujourd'hui, nous parlerons des dernières nouvelles du projet. Nous parlerons des différents facteurs négatifs de l'activité de l'homme qui conduisent à la destruction de l'environnement. Nous verrons les problèmes, les risques et les problèmes de sécurité des systèmes de transport actuels. Nous verrons la possibilité et les perspectives du système de transport innovant qui est en train d'entrer sur le marché mondial du transport U-Sky. Et je vous montrerai comment vous pouvez contribuer à l'avènement de ce transport écologique. Nous verrons donc ce que Skyworld Community nous offre et les différents avantages. Les différents avantages, perspectives et bénéfices que vous en tirerez si vous participez à ce magnifique projet. Alors, en commençant et en parlant des dernières nouvelles, la société de développement UST en Biélorussie crée une méthode unique pour la sélection de joints de collage, toujours pour perfectionner notre technologie à cordes. Les spécialistes de la société de développement de transport à cordes ont commencé à créer une technique qui aidera à évaluer la force des joints de collage du complexe de transport et d'infrastructure. Pour ce faire, des travaux de recherche spéciaux sont effectués. Tout d'abord, la colle est placée dans une chambre à vide pour pomper tout l'air.
Cela rend la composition plus dense et donne de la force au futur composé. Ensuite, les deux échantillons métalliques sont lubrifiés avec de la colle joint. Vérifiez pour la conformité avec les paramètres géométriques et laissez pour gagner en force pendant au moins 2 semaines. Ensuite, la force du joint de collage est vérifiée dans la machine de rupture. Sur la base des données obtenues, un modèle informatique est formé. Il permet de comprendre électroniquement si une connexion est capable de fonctionner dans les nœuds du complexe de transport. Selon le chef du laboratoire Alexandre Chibout, de telles études n'ont pratiquement pas d'analogue dans le monde. Les résultats de ce travail permettront d'économiser les ressources de l'entreprise et d'accélérer considérablement les processus de production. Voici comment Alexandre a commenté le but de la recherche. Selon la conception de l'élément de joint, selon la conception de l'élément, le joint de collage a des épaisseurs différentes. Avec le changement d'épaisseur, la propriété des résistances et de déformation du joint de collage change. Ainsi, pour calculer les propriétés de résistance des éléments collés, il est nécessaire d'avoir une idée claire de la résistance de la colle elle-même. Nous avons donc lancé un cycle de recherche. Bonne nouvelle, les amis, bonne nouvelle. Des voitures électriques russes pourraient apparaître dans l'autopartage à Moscou. Un prototype de voiture électrique pour le trafic de Moscou devrait être préparé en 2024. Ils veulent ajouter des voitures électriques fabriquées en Russie à la flotte des sociétés de taxi Uber et d'autopartage. Le ministère des Transports de Moscou a décidé de choisir un fournisseur en signant un accord avec Kama JSC, une société fondée par Kama Z qui prévoit de produire des véhicules électriques du même nom pour la ville, selon une annonce de DepTrans sur Telegram. Les premiers prototypes du véhicule électrique domestique Kama seront préparés en 2024. Des représentants d'entreprises tchèques ont visité le centre d'essai de Sharjah. Le centre d'essai de Sharjah a été visité par des hommes d'affaires tchèques. Les invités ont appris les avantages de la technologie et ont testé le transport dans la pratique. Nous partagerons les principaux moments de cet événement. La visite du centre a commencé au bureau de la société qui s'occupe du développement du transport à cordes aux Émirats arabes unis. Dans ce bâtiment, les invités ont regardé une maquette d'une ville linéaire avec 5 pistes opérationnelles on leur a fait une présentation de la technologie. En outre, les délégués ont visité la plateforme d'observation du bureau, d'où ils ont pu évaluer l'ampleur de la piste certifiée numéro 1 et la piste numéro 4 pour laquelle les supports d'ancrage ont déjà été érigés. Les délégués ont mis l'accent sur les avantages de la technologie. L'un d'eux est la présence d'éléments structurels typiques qui permettent, en fonction des exigences du client, des conditions météorologiques et territoriales, de sélectionner la configuration la plus efficace du complexe de transport. Parmi les autres avantages, citons le faible coût de construction, le respect de l'environnement, le confort des passagers, l'efficacité énergétique, la faible consommation de matériaux. Nous pouvons aussi citer la vitesse jusqu'à 150 km par heure en ville et la possibilité d'intégration dans les infrastructures existantes. Ces caractéristiques correspondent au mouvement mondial de lutte contre le changement climatique, à la transition vers les sources d'énergie alternatives, à la numérisation de l'économie et aux souhaits des clients potentiels. Après que les invités de la République tchèque ont appris la possibilité de transport à cordes, les délégués ont effectué un voyage d'essai sur une Unicar tropicale certifiée pour tester la technologie
de façon pratique. Eh bien, qu'est-ce que le transport à Kant? Il s'agit ici d'une solution unique, innovante au problème moderne de transport urbain et interurbain de marchandises et à grande vitesse que nous rencontrons aujourd'hui. C'est un projet international qui se développe en Biélorussie et aux Émirats arabes unis, donnant la possibilité de devenir copropriétaire d'une technologie qui n'a pas d'analogue dans le monde. Eh bien, de nos jours, nous rencontrons aujourd'hui, grâce ou bien avec le système de transport que nous utilisons, plusieurs problèmes. Dans cette illustration, on voit bien les voitures et les gens qui entrent en collision et les gens qui courent aussi, essayant de ne pas tomber sous les roues. Dans le ciel, on aperçoit un tramway. Cette image date de 1905. Imaginez-vous en 1905, quelqu'un avait déjà pensé à un tramway céleste. Cette situation vous est déjà familière, les embouteillages. Quel que soit le pays du monde dans lequel nous vivons, nous faisons face aux embouteillages. C'est notre monde. C'est le transport de niveau 1, c'est-à-dire le transport qui se déplace directement à la surface de la Terre. Voilà les problèmes qu'il rencontre. L'un des problèmes. Chaque année, 1,5 million de personnes meurent dans des accidents de voiture. C'est bien plus que toutes les tragédies énumérées. Les effondrements des transports affectent grandement l'économie. Les ports surchargés n'ont pas le temps de traiter les marchandises et les navires sont obligés d'attendre chacun leur tour. Ainsi donc, nous désignons les deux premiers problèmes du transport moderne aujourd'hui, à savoir le trafic dense des routes de transport et la mort des personnes. En construisant des routes, l'homme envahit la nature. Et la nature, quant à elle, vit sa vie et essaye de résister à l'homme. Il est tellement persévérant, insistant qu'il oublie même qu'il tue le monde dans lequel il vit. Le carburant que l'on utilise aujourd'hui, c'est un véritable poison pour la nature. Elle ne peut plus résister. Le prochain problème majeur de notre époque, c'est la pollution de l'environnement. Le passage du transport moderne à l'électricité ne résoudra pas le problème de l'écologie. Le fait est qu'en branchant une voiture dans une prise de courant, eh bien, nous nous connectons indirectement à des centrales électriques qui, elles, fonctionnent à partir des combustibles fossiles qui, eux, polluent également l'environnement. L'un des moyens donc de sortir de cette situation est de créer des marchandises avec des machines, autant pour moi, avec moins de consommation d'énergie. Donc, le quatrième défi, c'est celui de réduire la consommation d'énergie. Dans différentes années et de différentes manières, les gens ont essayé de monter à la surface de la Terre plus haut, au deuxième niveau, où il n'y a pas de problème avec la pose des routes à travers les fosses, les ravins, les rivières, les forêts. Mais cela ne s'est réduit qu'à la construction de la même route posée sur des piliers massifs. Les énormes coûts de matériel restent évidents. Les tentatives de construire une route à l'envers ont été faites, comme au siècle dernier en Allemagne. Et de nos jours en Chine, un tramway avec des roues sur le toit diffère d'un tramway terrestre en ce qu'il y a moins d'espace occupé sur le sol. Mais c'est là la seule différence. Ces photos que vous voyez ici n'ont jamais été classifiées confidentielles. Mais pour une raison quelconque, jusqu'à présent, personne n'a combiné ces deux technologies, à savoir le déplacement sur un câble tendu et un moteur électrique intégré dans la roue. Si vous remplacez pour ces enfants italiens qui traversent la rivière leur simple roue roulée par des roues électriques, nous obtenons un nouveau système de transport. Ne confondez bien évidemment pas ce nouveau système de transport avec le téléphérique et les funiculaires. Ces derniers n'ont pas leur propre moteur, ils sont simplement tirés sur le câble. Les voitures du téléphérique au-dessus de la surface du sol et le funiculaire sur le flanc de la montagne. Le transport que nous allons étudier aujourd'hui a son propre moteur et sa propre structure de trajet. Eh bien, qu'est-ce que U-Sky? On entend parler de U-Sky, mais de quoi s'agit-il?
Eh bien, il s'agit ici d'une infrastructure à cordes constituée de villes linéaires, écomaisons et ports maritimes. La mise en place d'un système de transport à cordes n'est que l'une des premières étapes de développement à long terme du projet G-Sky. Plus les pistes à cordes apparaissent dans le monde, plus le besoin de changer l'infrastructure des villes et des zones suburbaines est grand. Avec l'introduction du transport U-Scale, il sera de moins en moins nécessaire de couper des forêts, de construire des routes et des voies ferrées et d'utiliser des méthodes similaires détruisant les écosystèmes dans la zone du développement en question. Sur cette base, donc, l'infrastructure des nouvelles villes et formations changera, ce qui sera plus facile à intégrer dans le paysage naturel existant. À ces fins, U-Sky dispose déjà de plusieurs solutions plus ou moins sophistiquées. L'exemple le plus ambitieux est une ville linéaire, un établissement urbain de type cluster qui s'intégrera harmonieusement dans l'environnement grâce à l'utilisation du système de transport à cordes. Une autre solution déjà largement élaborée est l'écomaison. Il s'agit d'une technologie pour la construction de bâtiments durables qui repose sur trois principes. Respect de l'environnement, des matériaux, végétalisation, de la toiture libre et libre aménagement de l'intérieur. Sur la base de ces principes, la première écomaison a été construite dans le centre d'innovation U-Sky à Sharjah ainsi que plusieurs écomaisons dans le centre test U-Sky en Biélorussie. Le port maritime U-Sky est un autre projet d'infrastructure U-Sky qui a un potentiel commercial très élevé. Dans de tels ports, en empruntant des pistes à cordes allant jusqu'au poste d'amarrage, il sera possible de livrer des passagers et tout type de marchandises, vrac, conteneurs liquides. Les ports maritimes construits à l'aide de la technologie U-Sky contribueront à réduire les embouteillages et à rendre la logistique des entreprises plus rentable. U-Sky n'est pas seulement un transport, non. Ce sont des décisions d'infrastructure qui, à l'avenir, pourront affecter la qualité des vies des personnes, non seulement en raison d'un mouvement confortable, mais également en raison d'une vie plus confortable sur Terre. Alors voilà un exemple d'écomaison, une maquette en 3D déjà de l'écomaison qui existe à Sharjah. Et ici, on a une autre perspective ou une démonstration de ville linéaire. Nous créons l'industrie des transports et des infrastructures qui n'est pas différente dans son potentiel à des industries telles que aviation, ferroviaire et autoroute. Donc, afin de continuer, fixons-nous donc le problème qui consiste ici, bien évidemment, à se déplacer confortablement d'un point A à un point B de la surface de la Terre. Selon le schéma de production standard lors de l'alignement de la surface terrestre, il n'est pas nécessaire, autant pour moi, il est nécessaire de déplacer d'énormes masses de sol, de changer la faune et aussi la flore. On peut voir tout cela sur cette image. La prochaine étape consiste donc à créer une fondation multicouche de 2 mètres sous la route et seulement alors à ce moment nous pouvons poser les rails et laisser rouler le matériel roulant. Pour éviter les travaux de terrassement lourd et la destruction de l'habitat des animaux et des plantes, il est possible de soulever la chaussée au deuxième niveau en construisant un pont. Rappelons la méthode utilisée par les enfants au-dessus de la rivière vue précédemment avec un câble tendu comme une corde. Au lieu d'un pont lourd et coûteux, on pose plutôt le câble. Les supports lourds ne seront pas nécessaires à ce moment et on les remplace par des supports légers. On va ainsi tirer le câble et fixer ses extrémités dans le sol de la même manière que les cordes sont fixées sur le corps de la guitare. Enlevant ensuite les supports qui n'étaient pas du tout nécessaires, nous plaçons donc notre câble dans une enveloppe. Nous obtenons une structure de rail unique. C'est ainsi donc que se présente en section la structure de rail unique, ainsi que sa composition et les propriétés sont sur le schéma. On a le corps du rail qui est comme l'enveloppe. On a les cordes là, on a la tête du rail et on a là un élément remplisseur
qui est fait en béton flexible. Sur cette base, donc, il est possible de créer trois types de structures de trajet, chacune d'elles ayant ses propres tâches et avantages. Regardez sur cette image les dimensions réelles du rail semi-rigide et flexible. Ce photomontage montre des aubans supportant le vrai pont. Les mêmes aubans peuvent servir de base à la structure du trajet à côte. En passant donc dans ce cas, vous pouvez vous passer des supports intermédiaires dans l'eau. La largeur de la rivière à cet endroit peut être facilement traversée par une seule travée. Ceci, bien évidemment, ce n'est plus un photomontage, non, mais une vraie photo prise en octobre dernier dans le Centre de recherche et d'innovation technologique UST à Sharjah. Une caractéristique distinctive des structures de trajet de rails à cordes est que les rails n'ont pas de soudure, ce qui signifie que nous n'entendrons pas le bruit caractéristique des roues en acier sur le rail en acier. La tâche la plus importante du transport de deuxième niveau est d'assurer la sécurité maximale des passagers. L'absence donc de pilote et le passage au contrôle automatique éliminent l'influence du facteur humain. Et bien évidemment, la conception a prévu un système anti-sortie, anti-déraillement spécial. Il est possible de réduire la charge sur la structure de trajet et d'augmenter la capacité passante de la manière suivante. On peut diviser la grande composition en wagons automoteurs séparés et les envoyer non pas une fois par heure, mais toutes les 10 secondes. Avec le développement moderne de la technologie aujourd'hui informatique et l'automatisation complète du processus, il ne sera pas difficile de résoudre un tel problème logistique. Revenons plutôt aux photos familières que nous avons vues précédemment, en 1950 et 1905, ou plutôt aux roues moteurs. Voici, ceci est l'une des roues moteurs créées spécialement pour le transport à cordes. Les avantages de ces roues sont non seulement la simplicité, la compacité et la puissance, mais aussi la consommation d'énergie réduite. Ceci est également facilité par la résistance minimale lors du roulement de la roue en acier sur le rail en acier. La solution la plus importante pour réduire la consommation d'énergie est celle de réduire la résistance aérodynamique à l'air. Lorsque la vitesse du véhicule augmente, la consommation d'énergie de celle-ci augmente considérablement. Les courants de vent complexes autour du corps d'une machine qui roule sur le sol affectent grandement la consommation d'énergie de celle-ci. Et regardez vous-même le coefficient de traînée de cet unibus à grande vitesse et de cette voiture. On se rend compte que ce coefficient de traînée est près de 10 fois inférieur à celui d'une voiture conventionnelle moderne. Sur le transport de second niveau, les flux d'air de dessus du sol n'ont pas d'effet. La forme de la coque originale testée dans la soufflerie permet d'atteindre des performances uniques et inaccessibles. Alors, ceci, c'est l'appareil qui vient d'être présenté en grandeur nature sur le schéma précédent, un uniflash. Et pour ces raisons, le transport, donc, à grande vitesse, U-Sky, peut permettre d'économiser jusqu'à 880 tonnes de carburant par an, ce qui est carrément énorme. Rappelons maintenant les problèmes liés au transport moderne. La surcharge des voies de transport, le manque de sécurité, la pollution de l'environnement et la forte consommation d'énergie. Dans ce diagramme, vous pouvez voir donc les caractéristiques comparatives des véhicules modernes, le transport à cordes que U-Sky offre est peint en vert. Le transport à cordes a donc la solution la plus optimale en termes de coût du capital, de coût des opérations, coût de consommation d'énergie, la capacité, le niveau de pollution de l'environnement et aussi le taux d'accident du transport. Le diagramme ci-contre montre clairement l'avantage du transport à cordes par rapport aux autres systèmes de transport modernes. Et ici, voici une comparaison des types de déplacements terrestres les plus modernes, à la fois opérationnels et projetés. On se rend compte donc que le transport que U-Sky offre est près de 10 fois inférieur à celui de tous les autres systèmes de transport existants aujourd'hui. Qui ne voudrait pas avoir un tel transport? C'est le transport que tout le monde attend. Nous pouvons donc dire que le transport à cordes de deuxième niveau est un transport léger, rapide, économique et surtout écologique. Tout le monde peut investir, ok? Tout le monde peut investir dans ce projet à partir d'un budget minimal de $50.
Et aussi, à partir d'un plan de versement pratique divisé en cinq tempéraments, diviser le paiement du package d'investissement par 5 mois. Il y a plus de 400 000 investisseurs aujourd'hui dans le projet, y compris des hommes d'affaires, des femmes, des enseignants, des ingénieurs et des personnes de différentes professions. Les perspectives d'investissement, eh bien, qu'est-ce que vous gagnerez donc en investissant dans ce projet aujourd'hui, en rejoignant le transport à cordes? Premièrement, vous gagnerez des dividendes. Lors de la mise en œuvre réussie du projet, vous serez en mesure de recevoir des dividendes de tous les projets commerciaux que l'entreprise réalisera. Venant des bénéfices, bien évidemment, 20% de ces bénéfices sont répartis à tous ceux qui auront permis à l'entreprise de se développer. Le rachat d'actions. La société peut décider d'un rachat des parts. Elle a déjà fait en 2018, où les 5 000 premiers investisseurs ont eu la possibilité de revendre leurs actions à un montant allant jusqu'à 10 fois le montant qu'ils avaient investi. L'héritage, les actions que vous avez aujourd'hui sont votre propriété et vous pourrez les transmettre à vos enfants, aux petits-enfants en héritage. La vente d'actions. La valeur actuelle des actions est bien inférieure à sa valeur nominale. En cas de décision de la société de participer à l'échange, donc entrer sur le marché boursier plus tard, ce qui sera fait, bien évidemment, vous pourrez bénéficier de la vente de vos actions au prix du marché. Le minimum prévu à l'entrée en bourse est 1 dollar par action, bien évidemment. L'auteur du projet, c'est ce monsieur, Anatoly Edouardovitch Yunitsky, à qui il a fallu plus de 40 ans de recherche, de calcul et d'expérience pour que sa création voie le monde. Ce monsieur est chef de deux projets de l'Organisation des Nations Unies. Il a plus de 150 inventions. Wow! 150 inventions, 20 monographies et 200 articles scientifiques à son actif. Il est membre de la Fédération de navigation cosmique de l'URSS, président du conseil d'administration du groupe international de société Skyway. Eh bien, les développements, les détails de sa biographie et ses développements peuvent être trouvés sur son site unitsky.engineer. Il y a aussi des matériaux pour ceux qui sont particulièrement curieux avec des calculs bien détaillés. Ici, donc, actuellement, nous avons 7 modes de transport pour les passagers qui ont déjà été développés. Voici en grandeur nature un peu quelques modèles. Et 4 modes de transport pour les marchandises. Le transport sur des rails à cordes se déplace au-dessus des routes et au-dessus de l'eau sans interférer avec les autres modes de transport. Il s'intègre facilement à n'importe quel environnement occupant un minimum d'espace à la surface de la Terre. Ni les montagnes, ni les forêts, ni les eaux ne sont des obstacles. Pour le transport à cordes, il n'est pas nécessaire de niveler le terrain, de bloquer les voies de migration des animaux et de détruire la couche fertile du sol. Il a besoin de l'accès au sol le plus minimal qui soit. Et avec les méthodes modernes de livraison de structures construites, de construction par des drones volants, il n'est pas nécessaire de poser des voies d'accès, aussi d'installation des supports d'ancrage. Le transport à cordes s'intègre facilement à la fois dans le paysage naturel et dans les infrastructures urbaines. Il peut traverser les bâtiments sans charger la fondation. Au début de 2020, le transport à cordes a été présenté à plus de 18 expositions internationales où il a toujours attiré d'énormes attentions. Déjà en 2021, l'année passée, à partir d'août jusqu'en mars, et était présenté aussi à l'Expo Dubaï et c'était vraiment magnifique parce que plusieurs représentants, plusieurs pays, plusieurs leaders se sont rendus sur les lieux et ont testé eux-mêmes encore une fois de plus cette unique art tropical. Ces photos que vous voyez ici ont été prises en 2018 à Belley lors de l'exposition InnoTrans. Et bien évidemment, comme on l'a dit dans un webinaire précédent, InnoTrans 2022, l'entreprise encore sera représentée. Les employés du stand des téléphériques suisses et tous ceux qui sont présents regardent en direction de Skyway. Bien sûr, il est impossible de passer devant un tel appareil frappant une forme futuriste inhabituelle. Avant d'entrer sur le marché, tout véhicule, en particulier celui impliquant le transport des personnes, doit subir de nombreux tests d'essai. Les documents confirmant que le transport à cordes a passé les tests peuvent être facilement trouvés sur le site.
La technologie de transport à cordes a obtenu plus de 83 brevets dans 18 pays, les États-Unis, à la Chine, plusieurs récompenses et aussi plusieurs certificats. Ici, sur les diapositives, il n'y a pas un dixième de documents que l'entreprise a. Vous pouvez tous les retrouver sur leur site web. Sans aucun doute, il est impossible pour une seule personne de mener à bien un tel travail titanesque. Pour ce faire, donc, la société Uniskisting Technology a été créée en Minsk, en République de Biélorussie. Depuis 2019, la société emploie plus de 1 000 professionnels hautement qualifiés. La structure est composée de 80 départements et bureaux d'études. La propriété des bureaux et de production couvre une superficie totale de plus de 10 000 mètres carrés. Dans sa propre production, il y a 11 machines complexes qui ont été déjà conçues et fabriquées pour le transport des marchandises et des passagers urbains et interurbains. Suspendu et monté d'une capacité de 2 à 200 passagers et d'une capacité de charge de 2 à 2 à 35 tonnes. L'argent des investisseurs a permis jusqu'à aujourd'hui de construire un éco-technoparc non loin de la ville de Minsk en République de Biélorussie pour permettre aux gens de voir ces transports fonctionner en grandeur nature. Chaque année, à l'heure de l'éco-fest, des milliers d'investisseurs se rassemblent sur ce site pour voir de leurs propres yeux la réalisation et s'assurer de la réalité de ce qui se passe. Cette année encore, l'EcoFest se tiendra, je pense, en Allemagne. Et nous souhaitons vraiment que beaucoup de personnes puissent encore y aller parce que jusqu'à aujourd'hui, dans ce centre des Émirats de Biélorussie, plus de 36 délégations gouvernementales s'y sont déjà rendues. Et à chaque fois, quelque chose ici de nouveau y est montré. En septembre 2020, on a commencé la construction. 2018, autant pour moi, on a commencé la construction du centre d'innovation UST aux Émirats Arabes Unis dans l'Émirat de Sharjah, le centre d'innovation UST de Sharjah est un groupe de recherche et de production qui deviendra l'avant-poste du groupe lorsqu'il entrera sur le marché du Moyen-Orient et aussi de l'Asie. Ces photos sont prises en 2019 sur le site de construction de Sharjah. Le transport aux Émirats arabes unis sera une preuve supplémentaire que le transport à cordes peut fonctionner dans toutes les zones climatiques de la planète. Il ne fait donc aucun doute que cela sera bientôt mis en œuvre et ne nous surprendra plus du tout. Tout comme le fait aujourd'hui le tramway, il ne nous surprend plus du tout. Eh bien, nous pouvons donc dire en guise de conclusion que le système de transport innovant, Sky est un transport innovant, voilà, qui se déplace au-dessus du sol à haute vitesse, sûr, efficace, facilement intégrable, écologique. Alors, je vous dis donc à très bientôt. Merci pour votre écoute et à très bientôt pour un autre webinaire de présentation de la technologie à cordes.